Bonjour à tous, c'est Lotus Pacham. On va faire une petite guidance en plein air en fait aujourd'hui parce que il est très tôt ce matin et il fait très beau et je voulais vous faire partager le joli paysage que j'ai la chance d'avoir grâce au virus en fait. Donc voilà. Alors, donc en fait, on va faire trois cartes pour le masculin et trois cartes pour la féminine. Donc, écoutez, déjà là, on a un 8 de pentacle. Donc, c'est assez. Ça veut dire qu'en fait, le masculin est en train de travailler. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant. Je vais prendre aussi. Mon oracle universel. Bon, j'espère qu'avec les voitures qui passent, ça va pas être trop désagréable. Alors, donc trois cartes pour le masculin et trois cartes pour la féminine. Donc l'énergie d'aujourd'hui, c'est le valet de deniers. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi avec... Il y a beaucoup de lumière, donc je vois absolument rien en fait sur l'ordi. Hein. Donc le valet de deniers, en fait... c'est quelqu'un qui commence en fait un nouveau projet. En même temps, il y a un début d'ancrage dans la matière, donc c'est aussi quelqu'un qui récupère, on va dire, sa santé. Voilà, donc en fait, c'est souvent des choses en fait qui nous tiennent à cœur. Et en fait, eh bien, c'est le début aussi d'une nouvelle forme de perception, de vision de la vie, voyez, mais tout se passe en fait dans la réalité. Bon, ben, là j'ai les hélicoptères, bientôt je vais avoir les canadaires, c'est génial. Donc là, clairement, on a... Oh ben, c'est carrément... Désolée, donc en fait là on a un set de deniers, donc clairement ce sont des personnes qui sont vraiment dans l'ancrage. On est toujours dans la lettre hébraïque Zaïn, on est toujours dans le chariot avec le numéro 7. Et donc en fait on est avec des personnes qui commencent vraiment un chemin spirituel, qui sont en fait dans le don des autres. Donc j'espère que la vue vous plaît. Voilà, bon, mis à part les petits bruits. Donc en fait, au fond, sur le côté gauche, eh bien, c'est la presqu'île de l'Isolel, voilà, que l'on voit. Alors, 3 pour le masculin et 3 pour la féminine. Donc là, on est clairement toujours dans les 7, hein, donc on est vraiment dans le chariot. Donc en fait, ce sont... là, c'est plutôt un masculin, mais ça peut être pour les féminines. Vous êtes dans l'ascension, évidemment. Vous êtes en train de développer un nouveau projet, une nouvelle vision de vie, en fait, comme on l'a vu hier. Alors, je commence par la féminine. Donc, clairement, en fait, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, c'est vraiment le début et le commencement de quelque chose, avec la carte de la mort. La princesse, évidemment, de baguette, donc en fait, c'est l'équivalent du bâton, donc en fait, on est avec une reine de bâton, donc quelqu'un qui a une passion, en fait, pour créer dans la matière quelque chose. Je trouvais que cette carte était vraiment très belle. J'espère que vous voyez bien mes cartes.
Et donc, en fait, on a un 5 de coupe. Donc, très clairement, comme on a vu lors de mon dernier tirage, voilà, il y a une rupture avec le passé, il y a une rupture dans la matière avec des personnes qui, peut-être, n'ont pas été très correctes, en tout cas, avec certaines féminines. Il y a des trahisons, voilà. Donc, en fait, là, vous changez complètement de direction. Là, nous avons... Donc l'as de bâton, donc en fait on est vraiment en pleine perception des choses. On est aussi dans la lettre hébraïque Shin, hein, qui correspond au feu. Évidemment, c'est le feu divin. Vous avez une illumination, donc en fait bon bah tout est cadré, tout est collé, et donc en fait eh bien vous avez en fait une nouvelle passion, une nouvelle perception aussi de la vie. Là, ça correspond en fait au soleil, hein, donc en fait à la réunion, à l'union. Donc c'est peut-être aussi à la réunion avec vous-même ou la réunion dans la matière avec quelqu'un, mais c'est un commencement. Pour le moment, vous êtes toujours dans la tempérance, hein, c'est-à-dire vous équilibrez en fait vos émotions. Là, nous avons aussi le 2 de calice. Hein, donc, en fait, on est sur des connexions qui sont, on va dire, médiumniques. Hein, vous avez une connexion particulière avec une personne qui est de votre entourage pour lequel vous avez beaucoup de passion. Et donc en fait, avec le 7 d'épée, eh bien, peut-être que ça correspond justement à une dualité, bon, puisqu'on fait les féminines, évidemment, il y a des triangulaires, il y a des dualités dans la matière. Et donc en fait, avec ce 7 d'épée, en tout cas, vous êtes en train peut-être de travailler sur une stratégie pour votre vie et vous emmener aussi avec vous en fait bah, tout ce que vous avez engrammé dans la matière qui après va probablement vous servir par la suite. Là, on est sur une jeune fille de bâton parce qu'en fait évidemment on est sur le début mais on a toujours autant de passion en tout cas pour avancer. Je vous dis, on est dans le chariot. Et donc là, on a la reine de parchemin. La reine de parchemin, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a l'ouverture du troisième œil, qui est vraiment à l'ouverture de l'ajna. Et donc c'est quelqu'un qui a une vision en fait qui est assez brillante, on va dire, de son futur. Là derrière, on a le 1 de clé avec l'architecture. Évidemment, c'est l'architecture de votre vie, l'architecture de votre vie sentimentale. Comment est-ce que vous allez organiser tout ça? Voyez, il y a bien un couple et on va dire que vous allez obtenir beaucoup de pouvoir. Et derrière, nous avons le scribe. Donc, pour certains, eh bien, écoutez, vous êtes peut-être dans des travaux, des études, de la formation ou éventuellement de l'écriture, écrire un livre par exemple. Donc ça c'est pour la féminine aujourd'hui. Pour le masculin, bon bah écoutez, on est dans l'8 d'épée, bon bah là on a du mal, on va dire, à sortir d'un cycle karmique, on ne voit pas grand-chose, hein, on est toujours un peu dans l'illusion. Voilà, c'est très douloureux évidemment, puisque on est complètement dans les émotions. En même temps, on est avec un 6 de bâton, donc bon bah écoutez, en tout cas, on a l'air d'être plutôt bien entouré. On est toujours en fait sur une dualité, on est toujours sur une prise de décision qu'on n'arrive pas à prendre. Et on est sur un 4 d'épée, évidemment, donc en fait, voilà, donc en fait on est toujours dans le mental, on essaye de récupérer par rapport à des émotions. Il y a peut-être des gens en fait autour des masculins qui sont bienveillants et qui les aident. En tout cas, ils ont l'aide, on va dire des énergies du divin, des anges. Là, pourquoi ils sont alors. C'est intéressant. Pourquoi ils sont en 4 d'épée? Évidemment, parce qu'il y a une reine de denier. Il y a une personne visiblement qui veut pas lâcher l'argent. Là, nous sommes sur un 5 de denier. Donc, en fait, ça met les masculins dans une situation très douloureuse. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Enfin, il y a que des émotions négatives, on va dire. Souvent, il y a, on va dire, un blocage.
au niveau de la... Il y a des petites fourmis au niveau de la sexualité et au niveau de l'affectif, évidemment. Hein, le 5 de denier, c'est cela. Et ça correspond vraiment à une reine de denier. Et derrière, évidemment, on a une reine de bâton. Donc, en fait, par rapport en fait, à une situation où, on va dire, il y a une pauvreté sentimentale, eh bien, évidemment, le masculin a un choix à faire. En tout cas, aujourd'hui, là, donc, en fait, on est sur un apprenti de denier. Ça veut dire que, bon, ben, c'est quelqu'un qui potentiellement essaye de se réancrer. Il y a peut-être des masculins qui sont en train de reprendre, on va dire, de la vigueur, de la vitalité, comme on a vu hier. Là, en fait, nous avons. Alors, la carte est inversée, hein, puisqu'on a vu hier qu'on était dans les hauts chakras. Donc, carte numéro 11. Ben bah, oui, on est toujours dans le chakra numéro 11. Hein, on est toujours dans Keter. Donc, là, en fait, c'est un masculin qui est en train de faire l'équilibre entre, évidemment, son mental et ses émotions. Et je vous dis, c'est pas évident. Alors, ce qu'on peut voir comme ça, évidemment, il y a Bina, il y a Horma et évidemment, il y a Keter. Et donc, en fait, tout ça est en train de s'équilibrer. Là, on a un œuf de coupe. Évidemment, c'est là où vous allez arriver, les masculins. Vous êtes en train de cheminer, en fait, pour arriver à un certain équilibre sentimental et émotionnel dans votre vie. Là, on a la bibliothèque akashique. Donc, très clairement, c'est des masculins qui sont en pleine, on va dire, permutation, transmutation, en fait, de leurs énergies négatives, hein, la transmutation du karma. On est sur le début parce que la lettre hébraïque, c'est Bess. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont... Bess, c'est la papesse, c'est la prêtresse. On est toujours dans le silence. Et on est en train, en fait, de cheminer dans, on va dire, la connaissance akashique, la connaissance de ses anciennes vies, et ça va vous permettre, si vous voulez, de vous transformer et de transmuter en fait le karma que vous avez à transmuter, et notamment évidemment, ce karma, c'est ça, c'est-à-dire que évidemment, vous êtes en train de traverser le voile des illusions. Là, en fait, on a un 2 de rose. Donc, en fait, on va dire que les choses ne se passent pas comme prévu. Bon, même si on a des volatiles, hein, on a l'aigle, évidemment, parce qu'on est dans l'élévation. Et on a aussi la colombe avec l'ange. Donc, en fait, on a bien des énergies divines. Hein, c'est le timing divin. On est toujours sur un 2. Donc, en fait, on est toujours sur un début, sur quelque chose qui commence. Mais comme vous pouvez le constater, sur la... Il y a peut-être un rendez-vous, mais en fait, les tasses sont ébréchées. Donc, en fait, on va dire que le rendez-vous est passé ou le rendez-vous est manqué. Et donc, c'est pour ça, en fait, on va dire que le divin est en train de s'en mêler. Et c'est par rapport, en fait, à un message que les masculins, en fait, doivent recevoir. Donc, ce sont des messages du divin pour en fait les aider à sortir justement de cette problématique du karma. C'est des gens qui sont beaucoup engrammés dans la matière, qui ont fait probablement des erreurs par rapport à la matière. Et évidemment, dans les airs, voilà, donc en fait, carte numéro 18, on est dans le Sadi. On est très clairement sur des masculins qui n'ont pas. En fait, ils n'ont pas encore traversé le voile des illusions, ils sont toujours dans dans les illusions, notamment peut-être par rapport à un couple. Et donc, en tout cas, donc on vous dit dans les airs, ça veut dire que les choses sont en suspens. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.